Kaixo egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tomar un café. Tenemos la suerte de contar con la guionista, protagonista y directora de la película Grand Marin, Dinara Drukharova, y también con la responsable de la novela de la que todo parte, Catherine Poulain. Así que vamos a hablar con ellas en francés después del pase de ayer de la película en la sección New Directors del Festival de San Sebastián en su 70ª edición. Bonjour et merci beaucoup d'être à au Festival de Saint-Sébastien. Ça nous fait vraiment très très plaisir de vous accueillir. Bonjour. Voilà, donc la première question, puisque nous avons une écrivaine ici et une réalisatrice, on parle toujours de la fidélité à l'heure d'aborder, d'adapter un roman, mais on dit souvent aussi que l'important c'est d'être fidèle à l'esprit du roman. Donc comment vous avez abordé l'adaptation, est-ce que ça a été difficile? Comment vous, en tant qu'écrivaine, vous pensez aussi à quand vous pensez à adapter un roman, c'est deux langages différents, donc comment vous avez abordé tout ça? C'était assez clair dès le début avec Catherine, qui m'a dit, moi j'ai écrit mon livre, toi tu vas faire ton film, voilà. Mais vous avez parlé, en tout cas, pendant l'écriture du scénario, etc. Est-ce que vous lui avez posé des questions de... On avait Oui, tu es venu plusieurs fois. On en a parlé et tu m'as exposé tes doutes. Et j'ai essayé de te laisser... Je ne voulais pas vraiment entrer en... Vraiment, là... Ce n'était plus ma place. C'était à Dinara de trouver le chemin et il fallait lâcher prise. Oui, l'histoire de Catherine est devenue la mienne, en quelque sorte, donc voilà. Ouais, ouais. Mais l'inspiration est tellement grande et tellement forte. Bien sûr. Le livre de Catherine, il faut que tout le monde le lit. Bien sûr. Il est très très Bien beau. Ouais, ouais, ouais. Il donne une grande force. Non, mais je pense que c'est peut-être la bonne attitude, parce que non seulement c'est généreux, mais c'est peut-être intelligent, tout simplement, parce que sinon, on parlait de ça. Isabelle Coixet, la réalisatrice espagnole, elle disait qu'il faut toujours adapter des romans des auteurs qui sont déjà morts, comme ça ils ne peuvent pas se plaindre. Il y a le mot adaptation. Adaptation, adapter un film, c'est justement lui donner une... Dans l'adaptation, c'est donner une direction qui sera autre par rapport pour qu'il vive. Et Madame Drukharova, comment faire pour écrire, être protagoniste, réaliser tout en même temps? C'est puissant, j'imagine, mais c'est un défi. Oui, c'est comme le cinéma, c'est ma vie. Je commence à le faire depuis l'âge de 10 ans, donc c'est ma façon de s'exprimer. Puis voilà, je ne sais pas, je voulais le faire entièrement. Dans chaque étape. D'accord, super. En tant qu'écrivaine et que réalisatrice, j'imagine que voilà, vous venez de le dire, le concept était très clair, n'est-ce pas? Deux langages, donc deux, disons, façons d'aborder une histoire. Même si, de votre part, l'histoire vous concerne très directement, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas tout à fait bien compris, je crois. Bah, je veux dire que pour vous, l'histoire, ça vous concerne, c'est vraiment votre histoire oui. personnelle. Oui, oui. Mais justement, il faut sortir de soi toujours. J'ai raconté quelque chose, j'ai raconté une petite femme, une petite Lily qui a une passion au cœur et qui veut aller jusqu'au bout. Et après, il faut laisser aller ce petit personnage et le laisser continuer à vivre sa vie à travers d'autres... On ne peut pas arrêter une œuvre, c'est peut-être un bien grand mot, mais on ne peut pas le bloquer. Si, il faut lui laisser sa vie et que d'autres puissent se l'approprier. Il faut pas, on n'est pas l'acteur de... On laisse la place et c'est une chance extraordinaire quand justement d'autres deviennent acteurs de ce livre, par exemple. Vous n'étiez pas présente pendant le tournage à aucun moment, ou oui? Non, non, non. Jamais? Non.
Super. Non, mais, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais c'était Covid et c'était en Islande. Il fallait faire 10 jours de... Bah oui, bien sûr. Enfin, comment on appelle ça ? De confinement. Voilà. Ou voilà. En plus, je voulais vous poser cette question par rapport aux difficultés. Là, maintenant, vous parlez du Covid, aux difficultés du tournage, je veux dire. Donc, il faut tourner dans la mer, oui. En bateau, la météo, oui. Etc. Le Covid, oui. Tournage compliqué, donc. Tournage compliqué, mais moi, j'aime bien les défis. Voilà. Mais ça a été très compliqué ou vous avez quand même... C'est comme chaque tournage, je pense. C'est toujours quelque chose d'inconnu, mais on était quand même bien préparés. Tout à fait. Voilà. Je voulais vous poser une question par rapport à la photographie du film, qui reste très importante, je pense. Comment vous avez conçu ça avec Timo Solminen ? Timo. Bah, Timo, c'est mon binôme. C'est mon... Je le considère comme co-auteur du film. Parce que, voilà, dans cette configuration où j'étais comédienne et réalisatrice, il fallait que j'aie quelqu'un dont j'ai entièrement confiance. Et le regard et la photographie de Timo, elle est juste sublime. Timo, il ne parle pas beaucoup, on ne s'échange pas beaucoup, mais il parle à travers les images. Et les images qu'il fait sont si belles et poétiques. Voilà. Ouais. Bon, une question qui, sans doute, peut-être qu'ils vous ont posé déjà, mais est-ce qu'on peut parler de la volonté des pêchers dans le Grand Nord qui est dans le roman comme métaphore aussi de devenir du défi de devenir réalisatrice dans un monde qui est toujours plutôt masculin comme celui du monde de pêcheurs, etc. Est-ce que c'est une métaphore à laquelle vous avez pensé, que vous vouliez aborder ou pas vraiment? Non, pas vraiment, mais je trouve qu'on avance à grands pas avec et que l'équilibre est en train de se créer dans le monde du cinéma par rapport aux femmes et aux hommes. Voilà, heureusement. On commence à faire notre place grande. Vous voyez ça aussi du monde littéraire? Oui, de toute façon, mon roman, je voulais absolument pas qu'il... Je voulais justement sortir du genre et justement parler du travail dur de ces hommes, de cet effort par rapport au travail de la mer, et aussi de cette unité d'un équipage, qu'on soit homme ou femme, le genre est tout à fait... Le genre n'existe plus, enfin. Donc je ne voulais surtout pas entrer dans les conflits ou dans le livre. Bon, vous avez eu l'expérience hier d'une projection avec le public. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose? Encore. Moi, je dis encore, c'était incroyable. Bon. Pendant toute la séance, toute la projection, sentir les réactions des gens, comment ils réagissent. Et à la fin, cette sincérité des applaudissements, c'était droit dans le cœur. Commencer que le film prend la route comme ça, c'était magnifique. Très très beau, merci. Pour vous, ça a été aussi la première fois dans un grand écran, n'est-ce pas? Oui, oui. Et l'expérience? C'était assez bouleversant, extrêmement impressionnant et... C'est beau. Voilà, on est un peu à bout de souffle. On est... C'est beau. Bon, et pour toutes les deux, là, est-ce que vous avez d'autres projets? Littérature, cinéma éventuellement, je ne sais pas si en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice aussi, scénariste, tout. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme projet? Oh, mais je continue. Bien sûr. Le Grand Marin, c'était justement, c'est mon premier livre, donc il n'était pas question que je veuille me l'approprier. C'est pour ça qu'il fallait qu'il continue sa route et il faut toujours continuer. Il ne faut pas s'arrêter à. Donc oui, il y a d'autres projets. Il y en a beaucoup. Super. Moi, j'ai un projet d'un documentaire. Voilà. Comme ça, je fais mon petit triptyque, court-métrage, long-métrage, documentaire. Et après, j'arrête.
Très bien. Et vous avez prévu quel parcours pour le Grand Marin? Qu'est-ce que vous avez... Là, maintenant, vous êtes à Saint-Sébastien, vous allez faire d'autres festivals, sorties en France, j'imagine? Oui, j'espère qu'il va faire beaucoup de festivals comme ça, qu'il voyage, que cette rencontre avec le public se fasse. Ça, c'est... Et le film, il sort en France, en tout cas, en janvier 2023. D'accord. Voilà. Donc après Noël. Après Noël, ouais. Très bien, très bien. Donc, c'est parfait. Moi, j'espère qu'on verra peut-être d'autres films de vous ici. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi de lire d'autres romans aussi en espagnol, parce que le Grand Marin a été traduit en espagnol, donc voilà, tout le monde a la possibilité de le lire en espagnol ici. Et est-ce que vous avez envisagé finalement peut-être de travailler encore ensemble, ou ça vous donne envie de je sais pas, d'adapter éventuellement un autre roman? Moi, je quitte plus Catherine. Hein, ça. Ça c'est bien. Oui, ben, on va voir. On va en parler. On doit en parler très prochainement. J'espère que ça serait bien de voir encore un film de vous, une adaptation d'un roman encore de Manon Poulain ici à Saint-Sébastien. Ça nous ferait très très plaisir. Merci de votre présence ici, de votre gentillesse, de votre intelligence. Ça nous fait très très plaisir vraiment d'avoir le Grand Marin dans cette section de New Directors. Ha sido un placer charlar, por lo tanto, con la directora y la escritora de este proyecto, que forma parte de New Directors. Y vamos a terminar dándoles las gracias y viendo unas imágenes de la película. Muchas gracias. Es que ricas que vaya. Gracias. J'arrive de France. T'as des papiers? Non. T'as déjà pêché? Non. C'est beau l'espoir. Allez les gars! Doing here? She's small, but she's tough. When we were dancing, how do you become a skipper? You work hard. Never give up. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pêcher. Tu débrouilles de mieux en mieux, mon. J'en ai vu passer suffisamment pour reconnaître ceux qui vont accrocher. On veut pas de gens comme toi ici. Pour lui la paix! J'ai essayé de l'embrasser hier soir. Elle m'a donné une claque, paf, plein dans la gueule. Pourquoi t'es parti de chez toi? J'en ai vu des gens débarquer. Ils fuient tous un drame ou une saloperie qu'ils ont faite. Je suis parti, c'est tout.